L'élément du mois de la jeunesse qui a été lancé tout récemment à Bolongo, et puis on revient tout juste après. On va voir l'accueil, comment la délégation de la Fédération nationale a été reçue à Bolongo, et on revient tout juste après. Qui apporte des malchances pour mon pays, des énergies négatives, et je serai négatif. Ok, alors on va chuter à cette question. Vous étant responsable de jeunes de l'Église du Christ au Congo, parti qui ne veulent pas, on peut dire cela, qui jusque-là, ils sont parmi ceux-là, qui sont cités à avoir bloqué la situation. Et aussi étant le président de l'Union des jeunes des confessions religieuses, qu'est-ce que vous avez à dire à vos pères spirituels? Ça serait une hypocrisie pour moi de dire ce que je dois dire à mes pères spirituels, parce que au sein de l'Église du Christ au Congo, je suis co-décidaire. Vous comprenez? Si je commence à dire, bon, le président national a fait ça, tout ça, c'est notre père. Toutes les décisions, on discute ensemble. À chaque moment, il nous fait le rapport et nous donnons nos contributions pour l'avancement de cette situation. Donc, cela veut dire que vous aussi, vous pouvez être parmi ceux-là qui bloquent la situation. Bon, parce que la position de l'Église est discutée en ensemble et vous faisiez aussi partir de ceux-là qui prennent position. Je voudrais dire que le révérend docteur André Gédon Bokondoa, toutes les actions qu'il mène, il ne les mène pas pour son intérêt égoïste. Okay. Il mène ses actions pour l'intérêt général. Bonsoir, très chers téléspectateurs, chers abonnés à Gauchaine 7 Télévision. Mbote, Bisikaban Sobozoami, vous êtes en train de suivre votre émission Face aux invités, une émission qui vous parle de l'actualité politique, qui vous parle des activités que mènent les personnalités politiques, tant administratives de notre pays. Aujourd'hui, Face aux invités aura un grand plaisir de recevoir encore une fois de plus, pour une deuxième fois sur ce plateau, Maître Willy Massaka, président national de la Fédération nationale de jeunes protestants, président de l'Union de jeunes des confessions religieuses. Avec lui, nous allons parler du lancement du mois de la jeunesse protestante qui a été lancé tout récemment à Bolongo. Nous allons voir en image ce qu'a été cette activité. Pleinement réussi avec Maître Willy Massaka, nous allons parler du mois de la jeunesse protestante et surtout, pourquoi pas, l'actualité politique de la République et surtout qu'il est cadre au niveau de l'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo, la CENCO, toujours fait face et pénalise la désignation du nouveau président de la centrale électorale. On revient tout juste après, on prend ce petit élément pour accueillir notre invité, le Maître Willy Massaka Tshiteya. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs et dames. Comme je vous ai annoncé au sommaire, Maître Willy Massaka Tshiteya est déjà sur notre plateau. Maître, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à nouveau. Et moi également, très heureux de revenir encore sur votre plateau, partager
les bonnes nouvelles des activités de la jeunesse protestante et partager sur l'actualité de notre pays. Très bien. Maître Willy Massaka, comme j'ai annoncé au titre déjà, l'actualité, nous allons commencer d'abord par quelques questions d'actualité avant de parler du mois de la jeunesse que vous avez lancé récemment à Bolongou. L'actualité tourne ce dernier temps, la question a repris l'ampleur, notamment la désignation du nouveau président de la CENI. Le père, ensemble, ont eu des temps à se rencontrer encore, à se reparler, mais rien ne bouge jusque-là. Qu'est-ce qu'il y a à la base? L'Église du Christ au Congo et la CENCO, notamment l'Église catholique, on vous accuse de toujours bloquer la situation. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je dirais que c'est trop fort de dire que rien ne bouge. Le fait que nous sommes dans une société, nous devons une société qui s'est construite du jour au jour avec des valeurs de la démocratie. Cette société doit accepter des contradictions. Ouais. Et des contradictions qui vont nous permettre à ce que nous puissions aider notre pays à avancer. Okay. La désignation du président de la CENI, oui. Ce n'est pas une mince affaire. Parfois, nous avons toujours l'habitude de prendre des questions très profondes, des questions qui touchent la vie nationale avec beaucoup de légèreté. Okay. Et donc, moi, je félicite nos pères de l'Église, les chefs de confession religieuse dans l'ensemble, parce que cette fois-ci, ils n'ont pas joué à l'hypocrisie. Ils ont vraiment prouvé au monde qu'ils sont à la fois spirituels, ils sont aussi des êtres humains, okay, qui ont le sang, et l'eau, la chair. Et ils ont cette responsabilité d'exprimer tout ce que Dieu a mis en eux. Okay. Des belles choses, aussi la souffrance, ce qu'ils pensent que ça ne va pas. Et tout cela, c'est pour voir dans quelle mesure. Lorsqu'on se pose des questions, on se repose des questions sur une question qui est très sensible, ça va nous permettre de réduire sensiblement des crises préélectorales. Ça va nous permettre à ce que le fils est digne, fils et fille digne de ces pays, de cette grande nation, puisse privilégier l'intérêt supérieur de notre pays. Nous avons fait des études. Parmi les méthodes de recherche, nous avons la méthode que nous appelons méthode dialectique. C'est cette méthode qui m'a beaucoup frappé à l'esprit pour encourager nos pères des églises, de renforcer encore ces dialogues. Moi, j'appelle ça, c'est un dialogue. C'est un dialogue qui jusque-là n'aboutit à rien toujours. Il ne faut pas dire que ça n'aboutit pas à rien. Le problème ici, ce n'est pas de dire que celui-ci a tort, celui-ci a raison. Ici, c'est une question de permettre à chacun d'exprimer ce qu'il voit, ce qu'il sent pour le bien-être de notre pays. La méthode dialectique nous renvoie à la thèse. Cela veut dire que toi, monsieur Aristote, tu développes ta thèse. C'est une idée. Et moi, je viens avec ma thèse qui est antithèse. Et ta thèse et mon antithèse doivent aboutir à une conclusion. Très bien. Qui est la synthèse. Okay. Avec foi et conviction, parce que nous sommes en face des serviteurs de Dieu, nous croyons que la solution pour ce pays, pour la question de la désignation des animateurs de la CENI va être trouvée. C'est une opportunité aussi d'interpeller la classe politique.
Parce que tout ce que nous sommes en train de traverser, ça, c'est le reflet de l'état d'esprit de notre classe politique, de nos acteurs politiques. Ces acteurs politiques, tous se réfugient derrière les chefs des confessions religieuses. Mmh. Dans ces contextes-là, à un certain moment, les communiqués des chefs de confession religieuse avant de commencer le processus de la désignation de l'animateur de la CENI, parler de la pression. Pression, cette pression n'est pas seulement le fait d'une autorité politico-administrative ou acteur politique de l'opposition, de la majorité, d'être derrière, de pousser derrière, disons, les autorités religieuses de prendre une telle ou telle position pour la question de la CENI. Mais cette pression, c'est par rapport à la méfiance qui caractérise l'homme politique congolais. Très bien. Cette méfiance qui, au fait, je ne crois pas en toi, je ne crois pas à ta capacité de te comporter justement envers moi. Alors, si je ne te crois pas, je dois te soupçonner à tout moment. Mmh. Raison pour laquelle, par rapport à mes convictions, si on me posait la question, est-ce que tu peux faire la politique maintenant, je dirais, ce n'est pas encore le moment. Pour moi, c'est un moment où je dois travailler, réveiller la conscience de la jeunesse congolaise à se faire confiance. Mmh. À faire confiance à l'autre. Lorsque l'environnement de confiance réciproque se crée, même là où il y a des erreurs, nous sommes capables de nous pardonner et de regarder dans la même direction. Mais lorsque on ne se fait pas confiance, ben, il y aura toujours des blocages. Alors, on peut dire même jusqu'au niveau aujourd'hui, du chef du confessionnel religieux, je vous dis, lorsqu'il y a la méfiance dans cet espace politique, vous allez voir, la solution sera trouvée pour la désignation de l'animateur. Parce que après, on court derrière les temps. Après la solution de la désignation des animateurs de la CENI, vous verrez, il y aura d'autres débats oui. autour d'autres questions. Oui. Donc, la classe politique doit comprendre que la méfiance ne peut pas construire. C'est la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup les enseignements de la communauté des médiateurs pour la paix, qui développe ces quatre thèmes, la colère et la violence, la méfiance. Il n'y a pas seulement la méfiance, c'est aussi cette question de la peur de l'avenir. Okay. La peur de l'avenir pour ceux qui sont au pouvoir, ils se disent « mais nous risquons de perdre le pouvoir. » Cela veut dire que les actions que les collaborateurs du chef vont mener, ça ne sera pas des actions avec confiance à l'avenir, avec détermination. Ça sera des actions, animées par la peur. Et ces actions vont toujours créer d'autres problèmes. Très bien. Du côté de l'opposition, c'est aussi la même chose. Oui. La peur de l'avenir, bon, les élections ne seront pas transparentes. Okay. Lorsque je me dis déjà que les élections, lorsqu'on parle, nous voulons les élections transparentes, apaisées et crédibles. Mais il y a déjà les contraires. Il y a des concepts contraires, des images, des pensées contraires par rapport à l'organisation des élections. On ne croit pas. Lorsque je ne crois pas aux élections transparentes, même si le pouvoir peut mettre tous les moyens pour organiser de belles élections, si je ne crois pas aux bonnes élections, toutes mes actions vont m'amener à douter, à voir tout négativement, et j'essaierai, au lieu d'être un opposant qui vient avec des idées constructrices de la société, et qui viennent avec des idées pour faire avancer la société, je vais faire l'opposition qui apporte des malchances pour mon pays, des énergies négatives, et je serai négatif.
Ok. Alors, on va chuter à cette question. Vous étant responsable de jeunes de l'Église du Christ au Congo, parti qui ne veulent pas, on peut dire cela, qui jusque-là, ils sont parmi ceux-là, qui sont cités à avoir bloqué la situation, et aussi étant le président de l'Union des jeunes des confessions religieuses, qu'est-ce que vous avez à dire à vos pères spirituels? Ça serait une hypocrisie pour moi de dire ce que je dois dire à mes pères spirituels, parce que au sein de l'Église du Christ au Congo, je suis co-décideur. Okay. Vous comprenez? Oui. Si je commence à dire, le président national a fait ça, tout ça, c'est notre père. Toutes les décisions, on discute ensemble. À chaque moment, il nous fait le rapport et nous donnons nos contributions pour l'avancement de cette situation. Donc, cela veut dire que vous aussi, vous pouvez être parmi ceux-là qui bloquent la situation. Bon, parce que la position de l'Église est discutée en ensemble et vous faisiez aussi partir de ceux-là qui prennent position. Je voulais dire que le révérend docteur André Gédon Bokondoa, toutes les actions qu'il mène, il ne les mène pas pour son intérêt égoïste. Okay. Il mène ses actions pour l'intérêt général. De l'Église. De l'Église. Okay. Moi, je demanderais à la classe politique de ne pas entrer dans le piège de croire que nos chefs de confession religieuse sont en train de bloquer la situation. Non. Très bien. Je crois que... Qu'est-ce que révérend docteur Bokondoa? Est-ce que vous connaissez bien le révérend docteur Bokondoa? C'est un commando du Christ, soldat du Christ. Il a donné toute sa jeunesse pour l'Église et la nation. Okay. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit apprendre ce qu'il doit faire, non. Comme chef de l'Église, il est entouré. Oui. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour l'Église, pour la société. Il a de l'expérience. Il voyage dans les coins et recoins de notre pays. Mais il voit la souffrance de la population. Oui. Dans tout ce qu'il peut faire, ses actions, l'objectif est que les acteurs politiques nous donne le meilleur de même pour le bien-être de cette population. Et comme l'Église doit jouer sa mission prophétique, s'il voit des choses qui ne marchent pas, on ne peut pas fermer la bouche de l'Église de les dire. Et s'il voit que des choses ne marchent, il va les dire. Et je tiens à vous rappeler que l'actuel président de la République, c'est un protestant. Oui. C'est un fidèle protestant. Fils de l'Église. En fait. Fils de l'Église. Oui. Et nous l'avons réussi après le comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo. Il était là, on l'a remis le Bible par le représentant, le révérend docteur Bokondoa. Oui. Vous croyez que le révérend docteur Bokondoa peut être ennemi du chef de l'État? Non. On n'y peut pas s'engager, non. Cela veut dire que c'est un éclaireur. Il doit jouer son rôle de prophète. On ne doit pas l'empêcher. Ok. Ça peut être aussi d'autres chefs de confession religieuse. Par rapport à leur confession, leur position, moi, je ne peux pas commencer à juger leur position. Okay. Je n'ai pas cette qualité de juger. Et ce n'est pas ma vocation de juger. Okay. Ma vocation est de regarder ce qui est bien, d'encourager ce qui est bien, de voir ce qui ne marche pas, travailler pour l'amélioration. Et si j'ai quelque chose à dire à mon père, mon aîné, je ne dois pas passer dans les chaînes de télévision pour le dire. Très bien, Maître Willy. Je pense qu'on va boucler avec cette sujet d'actualité parce qu'on tenait tout justement à vous poser la question parce que vous faites partie de ceux-là qui décident au niveau de l'Église du Christ au Congo. Merci. Nous allons parler maintenant du mois de la jeunesse protestante que vous avez eu à lancer tout récemment. La semaine passée, dernière, à Bolongo. D'abord, dites-nous, le mois de la jeunesse, où tire son origine au niveau de l'Église du Christ au Congo? Merci pour cette très belle question. En 1963, l'Assemblée générale de l'Église, à cette époque, conseille
protestants au Congo. Oui. Et c'est cette période-là qu'on a changé la nomination du conseil protestant au Congo à l'église du Christ au Congo. Okay. Et c'est en cette période que cette date qu'on a institué un calendrier officiel de l'église. De l'église. Okay. Parmi les dates officielles de l'église, on a octroyé à la jeunesse pour reconnaître sa valeur, reconnaître toutes les belles choses de cette jeunesse, les efforts, sa participation à la construction de l'Église, à l'évangélisation, à la mission, au développement de l'Église. L'Église a trouvé que non, la jeunesse a un rôle important à jouer au sein de la société, et cette jeunesse doit être honorée par une journée, et qui est aujourd'hui un mois, parce que nous avons plus de 95 communautés membres de l'Église du Christ au Congo. Et pendant ces mois d'octobre, il y a une série d'activités à caractère spirituel, à caractère culturel, à caractère sportif qui sont organisées pour célébrer, fêter, honorer le mois de la jeunesse. Très bien. Et c'est vraiment un moment où la jeunesse ne fête pas seulement, mais c'est aussi un moment de réflexion. Ok. Et une réflexion très approfondie sur la vie de la jeunesse au sein de l'Église, la vie de la jeunesse au sein de la société. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Comment améliorer notre qualité du travail, de service au sein de notre Église et notre nation? En ce que vous venez de dire, je pensais déjà vous poser une question. De sa date, ça fait plus de vingtaine d'années, déjà aujourd'hui. 58 ans. 58 ans d'ailleurs, depuis que l'Église a reconnu officiellement et vous a donné tout un mois de mener vos activités. Alors, ça fait plus de 58 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ce mois a apporté à l'Église et à la jeunesse de l'Église? Est-ce qu'il y a déjà des actions palpables que la jeunesse peut dire, voilà, ce mois nous a apporté ceci, cela? Je dois rectifier un élément très capital. La jeunesse protestante n'organise pas seulement les activités au mois d'octobre. Okay. C'est chaque jour que ces soldats du Christ sont sur terrain pour évangéliser, pour des missions, pour prier, pour chanter, adorer le Seigneur à côté de l'ensemble de l'Église, à côté de leur père. Donc cette église, je dirais que a honoré la jeunesse à travers le mois d'octobre. Raison pour laquelle c'est sous le patronage du premier citoyen de l'Église du Christ au Congo que ces activités sont organisées. Okay. Sous le patronage de notre Papa Révérend Gédéon, André Gédéon Bokundo. Très bien. On va souffler un peu avec la technique, qu'il nous balance un peu l'élément du mois de la jeunesse qui a été lancé tout récemment à Bolongo, et puis on revient tout juste après. On va voir l'accueil, comment la délégation de la Fédération nationale a été reçue à Bolongo, et on revient tout juste après. C'est l'arrivée de la délégation, comme vous constatez. Oh,
Nous sommes de retour, monsieur le président, accueilli comme un roi à Bolongo. Comment vous vous êtes senti? Bon, pour moi, ce n'est pas une surprise. Oui. Ce n'est pas une surprise parce que nous travaillons du jour au jour. C'est vraiment le couronnement de ce grand travail que nous faisons. Chaque mois, je suis dans des visites en province. Oui. Je travaille avec la jeunesse. Nous communions ensemble. Et c'était pour moi une grande joie que cette jeunesse se mobilise pour venir accueillir leurs frères. Leurs frères qui ont dit non, président, cette fois-ci, tu n'iras pas seul. Seul, avec une grande. Nous irons ensemble. Une forte délégation. Et c'est une occasion de remercier la chorale Covofra, qui vous a accompagné de l'aumônerie protestante de FARDC, qui nous a accompagnés. J'étais avec une délégation de 65. 65 personnes. 65 jeunes. Très important. Choristes et leaders qui étaient avec moi. Oui. Donc nous étions bien accueillis. Nous avons réussi l'accueil de toute la ville. C'était le territoire dans son ensemble qui était mobilisé. Pour vous accueillir. Les autorités administratives. Nous remercions l'administrateur du territoire, l'administrateur du territoire adjoint, qui, avec tous les services de sécurité, la police, les FARDC, les services de la NER, tous les services se sont impliqués pour nous accueillir, nous sécuriser. Et nous avons passé un moment de communion et un moment de présence devant le trône du Seigneur, et nous avons vécu sa présence, son assistance, et il y avait des miracles. Nous avons mangé, nous avons bu, nous avons bien dormi, et nous avons fait un travail qui a touché des âmes, très bien, le cœur, le corps de tous ceux qui sont venus. Et ils ont bravé le soleil, ils ont bravé la pluie, ils étaient nombreux. Le temple était dans l'impossibilité de nous recevoir. Et nous étions obligés d'être dehors pour faire ça. Vous avez fait une activité, un déplacement plutôt de plus de 65 personnes, président. Où vous avez trouvé les moyens? L'église a mis à votre disposition les moyens? L'or, ou bien le jeûne se sont pris en charge? Voilà. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Très bien. C'est l'œuvre du Seigneur. Dieu lui-même a pris en charge. En charge, oui. Et ces dieux-là vont se manifester encore à Goma et Bukavu. Parce que nous nous préparons pour la clôture du mois de la jeunesse. C'est vrai. Et j'étais très touché ce matin. On m'envoie la liste des jeunes de Kisangani, de la grande province orientale. Leur délégation, vous voyez, les jeunes qui se sont déjà cotisés, ils se cotisent pour arriver à Goma. Des jeunes qui ne travaillent pas. Ils se disent, nous arriverons à Goma. Goma, c'était le symbole de l'insécurité, c'est le symbole de la souffrance, de misère. Misère par rapport à l'insécurité. Oui. Même si c'est une province très riche, qui a beaucoup de opportunités sur le plan économique, écologique et culturel, mais cette population est en train de souffrir. Nous avons connu les problèmes de l'éruption volcanique. Les jeunes protestants ont dit, bon, le chef de l'État a installé son quartier général pour... Il y a même ce que nous appelons quoi l'état des sièges. Oui. Mais l'Église, pour exprimer aussi son soutien par rapport à cette situation, aux efforts du gouvernement pour rétablir la paix, la cohésion, l'Église sera à Bukavu et Goma. Très bien. Nous allons prier. Nous allons dédier ces deux provinces entre les mains de Dieu. Oui, avec Dieu nous pouvons. Même si c'est impossible aux yeux des hommes de croire à la paix dans ces deux provinces, nous disons oui, avec Dieu. Avec Dieu nous pouvons. Alors quel est votre message par rapport à ce mois de la jeunesse aux jeunes? Quand vous allez dans ces descentes, qu'est-ce que vous disiez aux jeunes?
Bon, le message, c'est le message du courage, de l'encouragement. Nous avons déjà le message que Dieu nous a donné. Oui, avec Dieu, nous pouvons. Okay. La nation congolaise connaît beaucoup de choses, des turbulences. Et tu parles de la CENI blocage. Oui. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Oui. Dieu peut surprendre beaucoup de gens. Oui. Il est le maître des temps et des circonstances. Le temps est entre le maître de Dieu. Les circonstances de la désignation des animateurs de la CENI est entre le maître de Dieu. Oui. Tout est possible à lui. À cette jeunesse, pendant cette période de déclenchement du processus électoral, nous vous invitons à la sagesse, à l'amour, aux pensées, aux imaginations et paroles qui procurent la paix, qui procurent la joie, qui encouragent l'unité, qui encouragent le vivre ensemble, hein? Mm-hmm. Qui encouragent la tolérance, qui fait que, qui donne la vie, l'envie à toutes les personnes étrangères qui nous visitent de dire à ces pays, à un peuple mûr, mature. Très bien, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés presque à la fin. Votre mot est la fin. La jeunesse est attendue à Goma. Votre mot est la fin à ces jeunes qui vous suivent de partout. Bon, par rapport à notre émission, je remercie toute la jeunesse parce qu'ils se sont mobilisés sur toute l'étendue de la République pour descendre à Goma et Bukavu. Oui. Que le Seigneur leur bénisse. Très bien. Nous allons passer un moment de fraternité, de joie ensemble. Merci à la jeunesse de Goma, merci à la jeunesse de Bukavu, merci à notre papa, révérend docteur André Gédéon Bukondo, à qui, par sa volonté et ses capacités spirituelles, accompagne cette activité. Et j'invite à toute la jeunesse de lui réserver un accueil chaleureux le 29 octobre où il viendra pour être avec nous. Il sera avec vous à Goma cette fois-ci. Communier pour la clôture du mois de la jeunesse. Très bien. Merci à tous les présidents, les évêques présidents de l'ECC, les révérends, représentants légaux, à tous les jeunes. Je vous souhaite une bonne fête pendant ces moments de la célébration du mois de la jeunesse protestante. Très bien, merci à vous Maître Wilma Saka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, je remercie aussi les promoteurs de cette radio. Merci. Et à tous les animateurs, les journalistes, les techniciens, pour cette confiance que vous ne cessez d'accorder à la jeunesse protestante de venir s'exprimer sur votre plateau. Très bien, merci très chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout, vous êtes très nombreux à nous suivre. Abonnez-vous massivement, partagez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Le mois de la jeunesse, on sera à Goma, on sera à Bukavu. Oui, avec Dieu, nous pouvons, comme a dit le président national. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Merci.